Il est en mauvais.
Qui vont transporter la dépouille de M. Charles-Édouard jusqu'au lieu d'exposition. Ne devez pas les bousculer, s'il vous plaît. Merci.
Nous allons maintenant débuter avec le programme de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, comme la parole le dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour s'épanouir. S'il y a des justes mots que nous allons placer aujourd'hui, c'est de dire merci au Créateur des cieux et la terre de ce qu'a été la vie de M. Charles-Édouard Nkonetti Manina. Il a été une bénédiction pour chacun de nous. Voilà pourquoi nous ne pouvons que bénir le Très-Haut de nous avoir donné M. Charles-Édouard. Et comme c'est lui le maître du souffle de vie, il a décidé aussi de rappeler son fils à la maison. Nous ne pouvons que nous plier à sa volonté. La famille par ma voix vous dit merci pour vos marques de sympathie et d'amour que vous aviez témoigné. Depuis le jour de la disparition de M. Charles-Édouard jusqu'à ce jour, la famille s'est très touchée par ce geste d'amour. Il vous dit merci. Voici alors la vitrine du programme des obsèques telles que ça va se dérouler.
Nous allons débuter ce programme avec l'office religieux. Et cet office va se dérouler comme suit. Nous allons débuter par une courte prière suivie de l'exhortation. Et après l'exhortation, nous allons assister au service du brisement de l'Alliance. Une fois fini avec le service du brisement de l'Alliance, l'homme de Dieu va procéder à la prière. Il va prier pour la famille. Et l'homme de Dieu qui va nous exhorter, qui va faire tout ce service, ça sera l'homme de Dieu, le pasteur Kalo. C'est lui qui va intervenir pour l'office religieux. Et une fois fini avec l'office religieux, nous allons passer à la lecture de la biographie du défunt. Une fois fini avec la lecture de la biographie du défunt, nous allons suivre l'oraison funèbre qui sera lue par Madame Cora. C'est elle qui va intervenir pour l'oraison funèbre. Et après cette oraison, nous allons passer au dépôt des jardins de fleurs ainsi qu'au recueillement. Une fois fini avec cette étape, nous allons suivre aussi le mot de remerciement de la famille qui sera lu par Maman Fifi. Une fois fini avec ce mot de remerciement de la famille, nous allons encore inviter l'homme de Dieu, le pasteur Kalo. Il va sanctionner la fin de ce programme par une courte prière et nous allons faire la levée du corps pour l'inhumation au cimetière Nouvelle Cité Mingadi. C'est là où sera inhumé la dépouille de M. Charles-Édouard Nkouni Ti Manina. Et comme on l'a toujours dit, à tout Seigneur, tout honneur, en toutes choses, nous devons rendre grâce à l'Éternel qui est notre Dieu. Très respectueusement, avec vos acclamations, nous allons inviter le ministre du Seigneur, le pasteur Kalo, de bien vouloir avancer. L'homme de Dieu, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je disais bonjour tout le monde. Vous savez que dans des moments pareils, c'est souvent difficile de s'exprimer. Et surtout que si la personne décédée a été proche de vous, comme c'est le cas de papa Charles-Édouard, une personne que personnellement que j'ai connue, et nous avons partagé quelques années ensemble au niveau de l'Église. Et je suis en train de trembler. Et il y a des mots qui m'échappent. Je ne veux pas ici exhorter, mais je vais juste rappeler quelques vérités de la parole de Dieu compte tenu de temps qui nous reste. Je vais nous inviter à lire la parole de Dieu, si jamais vous avez votre Bible, dans Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Nous allons juste rappeler quelques vérités de la parole de Dieu et ensuite nous allons procéder au brisement de l'alliance et à la prière pour la famille. Une voix interpelle. Va proclamer un message. Une autre lui répond. Que dois-je proclamer? Que tout homme est pareil à l'herbe. Et toute sa gloire, toute la gloire humaine, comme la fleur de champ. Car l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit. Quand le souffle de l'Éternel passe dessus. En vérité, les hommes sont pareils à de l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit. Mais la parole de notre Dieu subsistera toujours, nous disons Amen. Eh bien, ce passage nous parle de trois choses que j'aimerais juste citer. Premièrement, elle nous parle de la fragilité de l'homme. En parlant de la fragilité de l'homme, elle compare la vie de l'homme à une plante. Et quand nous prenons Jacques chapitre 4, le verset 14, là, la vie de l'homme est comparée à
à de la vapeur. La vapeur qui paraît et qui disparaît après un moment. Et si nous prenons dans les psaumes chapitre 78, le verset 39, là il est dit que la vie de l'homme est comparée à un souffle. Juste un souffle qui s'en va et qui ne revient plus. C'est ça la fragilité de l'homme. Et deuxièmement, ce même passage nous parle du caractère éphémère de l'éclat de l'homme, de la gloire de l'homme. La gloire que nous avons aujourd'hui est représentée par une fleur qui va sécher, qui va flétrir, qui va aussi tomber. Donc, chose qui est éphémère. Troisièmement, il y a seulement la parole de Dieu qui demeure, qui subsiste, qui ne peut pas disparaître. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 11, le verset 25, c'est Jésus qui parle, « Celui qui croit en moi vivra. Même quand il mourra, il va continuer à vivre. » Papa Charles nous a quittés, c'est vrai, mais Papa Charles continue à vivre devant le Seigneur. Après cette vie, ce n'est pas le terminus de tout, ce n'est pas la fin de tout, mais c'est le début d'une autre vie avec le Seigneur. Et comme nous l'avons dit hier dans la soirée, je rappelle, il est écrit dans la parole de Dieu, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs œuvres. » Nous pleurons, c'est vrai, parce que Papa Charles nous était proche, un membre de la famille, un papa, un oncle, et un tonton, un ami. Mais nous devons aussi savoir, à l'heure que nous parlons, Papa Charles est dans le repos, dans le bras du Seigneur. C'est une personne qui a connu le Seigneur, qui a marché avec lui jusqu'au dernier jour de sa vie. Et non seulement lui a connu le Seigneur, a marché avec lui, il a laissé cet héritage à sa famille. Je parle ici de son épouse, je parle de tous les enfants qui également marchent avec le Seigneur. Ça, c'est merveilleux, c'est une réussite. Et nous disons merci au Seigneur. Je termine mon intervention par ce passage de Josué. Josué, tout comme David, avant de quitter la terre, ils ont quasiment utilisé les mêmes langues. Identifiant la mort comme le chemin de toute la terre, le chemin de tout homme. Il y a un temps, comme le modérateur nous a dit ici, nous a rappelé la parole de Dieu, un temps nous naissons, un temps aussi nous mourrons. Alors Josué appelle la mort, tout comme David, le chemin de toute la terre. Personne ne peut éviter ce chemin, personne ne peut échapper à ce chemin. Nous serons appelés un jour à passer par ce chemin-là. Et la plus grande question demeure, lorsque la mort frappera notre porte, parce que c'est lui que nous pleurons dans notre chair, c'était une personne non seulement connue le Seigneur, mais aussi a marché avec lui. Je suis en train de me demander si c'est le cas de chacun de nous. La vie est en Christ. La vie n'est pas dans une église, la vie n'est pas dans une religion, la vie c'est Christ qui donne. À tous ceux qui l'ont reçu, nous dit la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Eh bien si jamais, jusqu'à cette heure, vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, eh bien l'occasion vous est donnée, l'occasion est favorable de donner votre vie au Seigneur. Parce que vous n'êtes pas éternel. Un jour, vous serez appelé à partir. Et quand vous partirez, dans quelles conditions vous allez partir? Dans les bras du Seigneur ou dans les tourments? Il y a lieu de se poser cette question-là. Pour ceux qui ont abandonné la marche avec le Seigneur, qui sont appelés communément aujourd'hui rétrogrades quant à la foi, eh bien,
Cette circonstance peut également vous ramener à revenir vers le Seigneur. Et vous qui êtes encore dans la foi, eh bien, c'est pour vous un moyen de vous fortifier, car bientôt également vous serez dans le repos. Oui, bien-aimés, la mort, ce n'est pas une fatalité. La mort, c'est le commencement d'une autre vie avec le Seigneur. C'est ce que nous devons garder dans notre esprit. Et en cela, j'aimerais que nous disons Amen. Rapidement, avant de prier pour maman Christine et le reste des enfants, j'aimerais donner l'occasion à celui qui veut se réconcilier avec le Seigneur. Si vous êtes là, vous avez pris déjà la décision de donner votre vie à Jésus, de le recevoir dans votre cœur comme Seigneur, sauveur de votre vie personnelle, eh bien, je vais vous demander de prier avec moi. Nous baissons tous nos têtes dans la prière. Seigneur, je t'apporte ce bien-aimé qui, dans le plus profond de leur cœur, ont décidé de te donner leur vie, leur cœur, de te recevoir comme Seigneur et Sauveur, le Maître de leur vie. Je prie, Éternel, désormais, que tu pardonnes leurs péchés, que tu le tiennes par la main, tu marches avec eux, tu le conduises sur ton chemin de la vérité. Je prie, Éternel, lorsque tu reviendras chercher ton Église ou que la mort frappera leur porte, qu'ils te rejoignent, qu'ils te rejoignent, ô Dieu, qu'ils soient dans tes bras, qu'ils restent avec toi dans le repos. Bénis, ô Dieu, le reste de ces moments, nous disons Amen. Je vais lire dans Romains chapitre 7, le verset 12. Romains 7, le verset 12. Et je vais inviter maman Christine à s'avancer. Si vous pouvez nous aider avec une chaise. Aidez-nous avec une chaise. Maman Christine va s'asseoir là. En attendant, nous allons lire la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 7. Juste au milieu, s'il vous plaît. Romains chapitre 7, le verset 2, nous dit ce qui suit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui l'a liée à lui. Le mariage étant un acte public, nous voulons également retirer ou briser cette alliance publiquement comme ça avait été fait il y a plus de 38 ans. Et aujourd'hui, nous allons retirer cette alliance, briser l'alliance. Et je vais ici inviter Papa Timothée, que je vais quelque part. Papa Timothée, s'il vous plaît. De la même façon que maman Christine, papa Charles avait été béni autrefois, comme je disais, il y a plus de 38 ans. Et ces paroles avaient été prononcées, que lui ne sait pas ce que Dieu a joint. Et l'union a été déclarée jusqu'à la mort, sinon jusqu'au retour du Seigneur. Étant donné que la mort est intervenue, eh bien, cette alliance a pris fin, comme nous venons de lire dans la parole de Dieu. Ainsi, je veux retirer cette alliance pour libérer maman Christine de l'alliance qu'elle avait contractée avec papa Charles il y a plus de 38 ans. Et si cela ne vous dérange pas, je vais nous demander tous de nous tenir debout. Nous allons prier
pour maman Christine. Et je vais demander à papa Timothée de le faire. Nous avons tous nos mains dressées vers maman Christine pour prononcer la bénédiction de Dieu sur elle. Qu'elle soit totalement libre, que rien ne puisse la retenir encore pour le restant de sa vie. Nous prions avec papa Timothée. Les enfants de saint s'il vous plaît, prenez patience, restons debout. Nous invitons également les gendres qui sont là. S'il y a de petits-enfants présents ici, les gendres peuvent également s'avancer. Nous allons tous élever nos voix. Tout ce qu'on voit. Alléluia. Seigneur, nous t'apportons chaque enfant. Nous t'apportons, ô Dieu, maman Christine, une fois de plus. Nous prions, éternel mon Dieu, que tu continues à prendre soin d'eux, à les entretenir, éternel Dieu de gloire. Tu vois le vide qui s'est créé dans leur cœur. Aucun homme ne peut remplir ce vide, même si cet homme a de belles paroles, ça n'arrivera jamais à combler ce vide. Voilà pourquoi nous faisons appel à toi. Toi qui es capable de combler ce vide, fais Seigneur mon Dieu ton travail, comble ce vide dans le cœur de chacun d'eux, dans le nom de Jésus. Je prie, ô Dieu, que tu leur accordes la consolation, la vraie, ce qu'ils ont réellement besoin, éternel mon Dieu. La présence, ô Dieu, de chacun de nous ne suffit pas. Seigneur mon Dieu, nous appelons ta présence dans leur vie. Sois le père de chacun d'eux, éternel mon Dieu. Sois les défenseurs de maman Christine, éternel mon Dieu. La journée tout comme la nuit, éternel. Sois celui qui veille sur cette famille. Sois celui qui assure, ô Dieu, l'épanouissement et le bonheur de cette famille dans le nom de Jésus. Nous déposons cette famille dans ta main. La Bible dit que ce que tu tiens dans ta main, nul ne pourra te le ravir. Seigneur, que cette famille demeure dans ta main, que cette famille soit sous ta sécurité, éternel mon Dieu. Couvre-le par ton ombre, éternel mon Dieu.
et qu'il soit davantage béni, béni par toi, éternel mon Dieu. Que cette expérience, oh Dieu, ne les amène pas, oh Dieu, à rester au bas de l'échelle, mais par cette circonstance, amène-les encore plus loin, éternel mon Dieu. Amène-les encore plus loin, oh Dieu, dans des nouvelles expériences avec toi. Que la joie, oh Dieu, demeure dans cette famille, que l'unité demeure dans cette famille, que l'entente demeure dans cette famille, qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de déchirement dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te confions cette famille. Nous ne confions pas cette famille à un homme. L'homme ne saura pas gérer cette famille. Voilà pourquoi nous venons te recommander cette famille. Afin que toi seul arrive à gérer chacun d'eux, arrive, oh Dieu, à les sécuriser comme il le faut. Béni sois-tu, au nom de Jésus, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci beaucoup, Pasteur Calon, pour ce service et nous demandons l'assistance d'un club encore très fort pour le roi des rois. Merci beaucoup, nous venons là d'assister à l'office religieux. Maintenant, nous allons passer à la présentation du défunt. Nous allons découvrir qui était réellement celui que nous pleurons aujourd'hui. De son nom complet, Charles-Édouard Nkoni Chimanina. Il était né à Kinshasa le 1er juillet 1952. Et il était marié et père de 4 enfants. Formation académique. Il a suivi ses études primaires et secondaires entre la République démocratique du Congo et le Canada. Avant d'obtenir son diplôme d'État en sciences, en section scientifique, il a ensuite étudié l'architecture à l'UNASA, IBT, à Kinshasa, où il obtiendra son diplôme d'architecte avec mention satisfaction en février 1979. Carrière professionnelle. Monsieur Nkoni a débuté sa carrière comme fonctionnaire au département du ministère du Développement Rural, puis comme professeur à l'écoprof en 1979 à 1981. De 1981 à 1998, il a travaillé en tant qu'architecte à l'atelier congolais d'architecture à Brazzaville, allant du grade de collaborateur à celui du directeur technique, où il a contribué à divers projets significatifs, y compris la construction des bâtiments administratifs, sociaux, industriel et infrastructure de la ville. Consultation et projet. Il a également servi en tant que consultant et expert pour des projets de développement rural et d'urgence en RD Congo de 1998 à 2019. Il a apporté son expertise comme superviseur à la construction et à la réhabilitation des infrastructures sanitaires, éducatives, ainsi que des pistes de déserts agricoles au travers des projets du SANRU, FAO, UNPN, DEDER,
Bat, ainsi que ceux de la cité. Engagement communautaire. Monsieur Kouni a participé à des missions d'évaluation, de réhabilitation des infrastructures sanitaires éducatives dans plusieurs provinces de la RD Congo, contribuant à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales, démontrant un engagement envers le développement communautaire. Ce que nous pouvons retenir aujourd'hui de ce grand, de ce calibre de la famille que nous pleurons aujourd'hui, c'est que c'était un chrétien, un fervent chrétien et pratiquant. Il a plu au maître du souffle de vie de le rappeler à la maison. Et ce que nous pouvons dire aujourd'hui à M. Charles-Édouard Nkouni, papa va en paix, que le Tout-Puissant se souvienne de tes œuvres et qu'il t'accueille dans sa félicité éternelle, j'ai dit. Avant de passer au dépôt du jarre de fleurs, très rapidement nous allons suivre l'oraison funèbre. Nous invitons Madame Cora de bien vouloir avancer. Madame Cora, s'il vous plaît. Eh bien, nous allons laisser la place à Madame Cora pour la lecture de l'oraison funèbre. Bonjour tout le monde. Je me tiens devant vous pour rendre un dernier hommage à papa. Notre père était un père modèle, serviable, attentionné, mari d'une seule femme, aimant sa femme et ses filles. Papa nous a tout appris, il a tout donné pour nous. Il nous a appris à nous aimer, à demander pardon, à supporter les autres, à servir les autres, à partager, à aller manger au restaurant. Papa avait des phrases telles que « Donnez à manger aux gens, vous traînez dans la cuisine ». Il ne voulait pas que les visiteurs viennent à la maison et rentrent telles quelles. La porte de sa maison était toujours ouverte pour accueillir des visiteurs. Quand on vivait à Brazza, les gens qui devaient passer par Brazza pour prendre leur vol, ils venaient, ils dormaient à la maison. Les gens qui devaient descendre à Kinshasa, mais qui arrivaient d'abord par Brazza, ils dormaient à la maison. Donc, voilà. Et même pour ceux qui venaient pour un séjour plus ou moins long, la porte était toujours ouverte. Il aimait être calme dans son coin, en train de méditer ou en train de tracer la nuit. Il disait souvent, il ne faut pas déranger les gens, laisser les gens calmes, laisser les gens tranquilles. Il nous a appris l'excellence. Tout ce qu'il faisait, c'était avec excellence. Parfois, on disait, ah, papa, tu es maniaque et tout ça. Avec lui, on a appris à être des femmes excellentes dans nos tâches quotidiennes, mais aussi dans nos vies professionnelles. Ses exploits dans différents organismes nous ont permis d'emboîter le pas et de placer la barre haute dans tout ce que nous faisons. Mais papa nous a appris par-dessus tout le chemin de l'Église et avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Il nous offrait des Bibles et des lecteurs de la Bible. Quand je me suis fait baptiser, moi, Cora, en 2006, il était content, il n'était pas à Kinshasa. Il m'a demandé pourquoi les autres ne l'avaient pas fait. Mais après, l'une après l'autre, elles se sont faites baptiser. En retour, nous avons su le rendre fier de nous. Nous l'avons honoré par la réussite dans nos études avec des grands diplômes, par nos mariages, mais aussi à chaque fois on lui emmenait les enfants pour qu'il les voit grandir et qu'il passe du temps avec eux. Nous avons toujours tout fait pour qu'il sache que nous l'aimons et qu'il était cher pour nous. C'est pourquoi j'aimerais vraiment vous dire merci, vous tous qui êtes là ce matin. Je sais que ça sera fait par le représentant de la famille, mais sincèrement, nous avons été touchés. Nous avons reçu vos condoléances venues à travers le monde entier, je vous assure, à travers le monde entier. Et pour la plupart, avec un soutien financier, vous êtes venus en très grand nombre. Il y a des gens qui ont voyagé, qui sont venus de Luanda, de Brazzaville, de Mwanda et d'ailleurs, pour rendre un dernier hommage à papa. Et cela nous a touchés énormément et montre l'attachement que vous aviez pour votre Yacha, pour votre tonton Charles, pour votre Noko Charles. Et sincèrement... Oui.
nous sommes vraiment touchés. Je veux clore. Je veux clore en disant que j'aimerais que vous sachiez qu'en réalité, nous n'avons pas été seuls à enterrer notre papa. Ce sont vos cotisations, vos contributions qui nous ont aidés à l'honorer avec ses dignes funérailles. Et nous sommes très, très, très reconnaissants. Mes remerciements s'adressent également à nos responsables des églises La Borne, La Borne UPEN, La Borne Jamaïque, La Borne Mimosa. Vous nous avez fait du bien en nous entourant de votre amour. C'est vrai, ça ne réveille pas papa, mais nous savons que nous pouvons nous appuyer sur vous. Vous êtes notre deuxième famille. Nous voulons aussi dire un grand merci à nos belles familles, la grande famille Meto, la grande famille Mpo, pour le soutien que vous nous avez apporté par vos enfants qui sont nos maris, c'est vrai, mais nous avons pu aussi nous appuyer sur eux et vraiment nous vous disons merci. Merci à tous et à chacun. Nous allons chanter un chant que papa aimait chanter quand on avait les cultes familiaux, quand on était petits. Et rendons grâce au Seigneur, alléluia, alléluia, qui nous donne la vie, alléluia, alléluia. Rendons grâce au Seigneur, alléluia, alléluia, qui nous donne la vie, alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci, oh mon Dieu. Merci, merci Jésus-Christ. Merci. Acclamons pour les encourager, s'il vous plaît. Eh bien, très rapidement, nous allons prendre le témoignage du secrétaire général du comité local du quartier Ganda de Jamaïque. Nous invitons M. Venga de bien vouloir avancer. M. Venga, s'il vous plaît. Eh bien, très rapidement, nous allons suivre ce témoignage et nous allons passer au dépôt des jardins de fleurs. Déjà, nous demandons à nos amis de la sécurité, prenez les dispositions déjà. Merci. Bonjour à tous. C'est vraiment pour moi un honneur de me tenir devant vous et de dire un mot dans ce cadre où nous venons rendre hommage à l'illustre disparu. Nous avons écouté le parcours de papa Charles Nkouni et il y a une étape de sa vie qui n'a pas été bien mentionnée et c'est cela dont je voulais parler. Papa Charles étant devenu retraité, au niveau du quartier, il a servi avec bravoure au sein du comité local de développement de notre quartier, le quartier Ganda Jamaïque. Nous avons reconnu en lui une telle simplicité, un tel dévouement, au point que nous nous sentions toujours petits en étant à ses côtés. Il était le chargé de la commission voirie et infrastructure et il a fait beaucoup. Pour ne citer qu'une de ses réalisations, c'est grâce à l'implication effective de papa Charles que notre quartier a pu se doter d'un poste de police par rapport à la question d'insécurité. Et laissez-moi vous dire, il s'est tellement impliqué par rapport au fonctionnement de ce poste qu'il a mis ses propres moyens de foi pour que cette chose puisse marcher. Cette bravoure nous a beaucoup touchés. Et comme s'il savait qu'il s'en allait, après avoir rendu service avec honneur et dignité, il a produit un rapport de tout ce qu'il avait fait au niveau du poste. Et c'était juste 2 ou 3 jours avant qu'il ne puisse partir. Papa Charles nous a quittés le vendredi, alors que le samedi, j'avais rendez-vous avec lui pour pouvoir faire un état des lieux quant au travail qu'il avait fait. Il nous a laissé un message dans le groupe WhatsApp du comité.
Et ce message-là m'a beaucoup marqué quand j'ai appris qu'il est parti. J'aimerais vous partager ce message. C'est juste trois mots, interpellateurs, et j'aimerais que nous puissions capitaliser cela. Parce que tel que je l'ai connu, ce que Papa Charles aurait aimé que nous puissions retenir de la cérémonie d'aujourd'hui, je crois que ce sont les valeurs qu'il a manifestées, comme les enfants l'ont dit, les valeurs qu'il nous a transmises, afin que nous les héritions et que ça nous aide dans notre parcours terrestre. Il avait dit ceci à tous les membres du comité, nous interpellant, il a dit que la responsabilité et la conscience éveillent tout un chacun. Ceux qui sont philosophes, il y a beaucoup à dire là-dedans. C'est vrai, il avait dit dans le cadre de notre comité, mais laissez-moi vous dire que c'est toute une leçon pour la vie. Que la responsabilité, que la conscience éveille chacun de nous. Alors qu'il s'en est pas, il s'en est allé. J'aimerais dire à chacun qui m'écoute en ce moment, laisse que dans tout ce que nous faisons dans cette vie, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan communautaire, veille à ce que la responsabilité et la conscience puissent être éveillées. Merci. Que la paix, que l'âme de notre frère, ami et papa repose en paix. Merci. Nous venons là-dessus pour les témoignages. C'était une façon aussi d'honorer la mémoire de Papa Charles Edouard. Nous devrions comprendre une chose, que la vie est éphémère. Les souvenirs des êtres chers sont éternels. Nous avons perdu un conseiller, un monsieur calme, généreux, doux, qui s'en est allé. Mais ce que nous pouvons demander aujourd'hui à l'assistance, c'est d'avoir une pensée pieuse à l'égard de ces grands hommes, ce calibre qu'il nous a laissé, et de continuer à prier pour que le bon Dieu puisse redonner de la force à la famille. Sans plus tarder, nous allons passer au dépôt des jarres de fleurs, ainsi qu'au recueillement. Nous invitons les agents funéraires de prendre les dispositions. Avec la permission de la famille, ouvrons le cercueil, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, nous prions à tous ceux qui vont passer pour le dépôt des jarres de fleurs et même pour le recueillement. Il est strictement interdit de filmer là où se trouve la dépôt. Nous ne voulons pas de spéculation sur les réseaux sociaux. Prière de respecter et d'honorer la mémoire de notre très cher papa, oncle, frère, ami qui nous a laissé. Merci. Merci beaucoup. Très respectueusement, nous allons inviter la famille bien de bien vouloir avancer. Accompagnés de leur jarre de fleurs, ils vont s'incliner devant la dépouille de monsieur Charles-Édouard. Nous prions la famille bien de bien vouloir avancer. La famille Meko se prépare. Très respectueusement, nous prions à la famille Meko de bien vouloir avancer. Accompagnés de leurs jarres de fleurs, ils vont s'incliner devant la dépouille de M. Charles Edouard Nkomi. Manime. Et
Et le temps que la famille Mette est en train d'avancer, les collègues de service de Madame Olga, Roger Palman, se préparent. Vous pouvez déjà vous apprêter, s'il vous plaît. Nous prions aux collègues de service de Madame Olga de s'apprêter et de bien vouloir avancer. Sous le pardon, nous invitons les collègues de service de Madame Olga de bien vouloir avancer. Les collègues du service de Madame Olga, nous vous prions de bien vouloir avancer, s'il vous plaît. Sans plus tarder, nous invitons aussi le comité du quartier Nganda, Jamaïque, de bien vouloir avancer. Nous prions au quartier, au comité local du quartier Nganda, au Jamaïque, de bien vouloir avancer. Eh bien, nous invitons là le comité local du quartier Nganda, Jamaïque, de bien vouloir avancer. Prions de bien vouloir avancer, s'il vous plaît. La famille Mwamba Tsinsuya se propage. Je sais qu'il m'aurait dans mon enfant. Il se révélera. Nous invitons la famille Mwamba Tsinsuya de bien vouloir avancer. La famille Makonfi se propage. Nata mesite na nyonso na saleli yo. Tutu na mai. Joto sema kina ibasi apeme na ibesa kyo. Sina pina ya mwindo ya mpusele ya mulai ya pesa kiyo Musa ya nzoto sina kina hii tuto. Eh bien, nous invitons la famille Mwamba Tsinsuya de bien vouloir avancer. Prions de bien vouloir avancer, s'il te plaît. Ok, na lilita mpesa na tana. Famille Makonfi, vous pouvez déjà vous apprêter. Apprêtez-vous déjà, s'il vous plaît. Tout tourne en maille,
suivre, avancez s'il vous plaît. Priez bien vouloir avancer. La famille m'a confié, avancez s'il vous plaît. Je château, la maman poussée, Toto, le sacré. Mon toka nene na nene ya chère. Nous prions à la famille Makonfi de bien vouloir avancer. Prière de bien vouloir avancer, s'il vous plaît. La famille Nawele se prépare. Sans plus tarder, nous allons inviter. Maman, s'il vous plaît, vous pouvez avancer. Avancez, s'il vous plaît. Très respectueusement, nous allons inviter le général Adé Bouyombo de bien vouloir avancer. Accompagné de sa jarbe fleur, il va aussi s'incliner devant la dépouille de M. Charles Noir, mon général. Il va être petit comme un secours.
Et bien après le passage du général Adé Bouyombo, nous invitons la belle famille de Papa Charles de bien vouloir avancer. La belle famille de Papa Charles, nous vous prions de bien vouloir avancer. Car le corps un jour on décèdera. Crie en Dieu pour qu'un jour nous invitons la belle famille de Papa Charles de bien vouloir avancer. Prière de bien vouloir avancer, s'il vous plaît. La famille Zembele Alphonse se prépare. Sans plus tarder, nous invitons aussi la famille de Père en France et pour vouloir avancer, ils vont se sentir devant la dépouille de Papa Charles et de moi. Et bien après la famille Ntimbele Alphonse, très respectueusement nous allons inviter aussi monsieur le secrétaire général du Congo Futur, monsieur Linga, de bien vouloir avancer, accompagné de sa jarre de fleurs, il va aussi s'incliner devant la dépouille de monsieur Charles-Edouard Kouni. Papa beaucoup nous te commandons dans les choses comme pour la soupe, le col à l'aide de la vie. Eh bien, nous prions, secrétaire général du Congo Futur, M. Minga, de bien vouloir avancer. Merci. Sans plus tarder, nous invitons aussi la famille politique INC de bien vouloir avancer. Ils vont aussi s'incliner devant la dépouille de M. Charles Edouard. Famille politique INC, ils ont suivi maman Adrienne. La famille politique, s'il vous plaît. Nous prions la famille politique INC de bien vouloir avancer. Vedev. Eh bien, nous invitons les collègues de service DGI de Madame Cora de bien vouloir avancer, suivi de la direction assiette fiscale. Nous invitons les collègues de service de Gilles, de Madame Cora, de bien vouloir avancer. Nous invitons aussi la direction de l'assiette fiscale de bien vouloir avancer pour s'incliner devant la dépouille de Charles Edouard. Merci beaucoup. Mmh.
la direction de l'assiette fiscale, nous vous prions de bien vouloir avancer aussi. Les amis de Papa Charles INBTP, nous vous prions de bien vouloir avancer aussi. Nous prions aux amis de Papa Charles INBTP de s'apprêter de bien vouloir avancer. Nous invitons les amis de Papa Charlie et PPP, nous vous prions de bien vouloir avancer s'il vous plaît. Avancez s'il vous plaît. Nous invitons aussi la direction des infrastructures scolaires et EPST, les collègues de Papa Charles Edouard, nous vous prions de bien vouloir avancer aussi. Direction infrastructures scolaires et EPST, les collègues de service de Papa Charles Edouard Mkouni, nous vous prions de bien vouloir avancer aussi. Eh bien, nous invitons aussi les amis de Madame Cora de bien vouloir avancer. Maman Emily, les amis de Madame Cora, les amis du quartier, avancez rapidement s'il vous plaît, les amis de Madame Cora. La famille Toumba pouvait aussi avancer rapidement. Les amis de Madame Cora, avancez s'il vous plaît. Merci beaucoup. La famille Toumba, nous vous prions de bien vouloir avancer aussi. Les amis de Divine, vous pouvez déjà vous apprêter aussi à avancer. Les amis de Divine, nous invitons les amis de Divine de bien vouloir avancer s'il vous plaît. Nous vous prions de ne pas traîner, les âmes de divine, avancez, avancez s'il vous plaît. La famille Yakamonia se prépare. Nous prions aux amis de divine de bien vouloir avancer. Avancez s'il vous plaît. Ne traînez pas, avancez s'il vous plaît. Famille Yakamonia, nous prions de bien vouloir avancer aussi. Les parents de Simon et Fabrice. Et Confiel pouvait déjà vous apprêter. La famille Yakamonia, avancez s'il vous plaît. Les parents de Simone et Fabrice et les Confiel, je vous prie de bien vouloir avancer s'il vous plaît.
y a un moyen d'être à la vie. Pourquoi vous les dieux, voyez-vous comme des hommes? C'est juste. Nous invitons aussi les amis des Rudis du quartier Kingou de bien vouloir avancer. Les amis de monsieur Érudit, quartier Kingou, nous vous prions de bien vouloir avancer. Nous invitons aussi les mamans du quartier Kingou de bien vouloir avancer. Sans plus tarder, nous allons inviter aussi les gendres. Nous invitons les gendres suivis des petits-enfants de bien vouloir avancer. Nous invitons les gendres suivis des petits-enfants de Papa Charles-Édouard de bien vouloir avancer. Les gendres suivis des petits-enfants, nous vous prions de bien vouloir avancer, s'il vous plaît. L'espoir est un oiseau qui s'envole si facilement devant les obstacles. Mais avec la foi, on peut faire des miracles. Après le passage des gendres et petits enfants, nous demandons déjà à la veuve ainsi qu'à tous les enfants de s'apprêter pour s'incliner devant la dépouille de Papa Charles Édouard Moukouni. Nous prions à la veuve, accompagnée de tous les enfants, de bien vouloir avancer pour honorer la mémoire de Papa Charles-Édouard Moukouni. Si Manima. Que la veuve et les enfants sont en train de s'incliner devant la dépouille de Papa Charles-Édouard Moukouni, nous demandons déjà à l'église La Borne de s'apprêter. Nous invitons le pasteur Kalo, accompagné de tous les membres de l'église. D'abord, non, ils vont avancer aussi pour s'incliner devant la dépouille de leur précieux frère, Charles-Édouard Moukouni, si Manima. Et s'il y a d'autres serviteurs de Dieu parmi nous qui aimeraient aussi s'incliner devant la dépouille de Papa Charles-Édouard, nous pouvons aussi avancer rapidement. Nous vous prions de ne pas traîner, avancer rapidement. On a mérité pas ce jour.
Nous profitons aussi d'inviter très rapidement les amis et connaissances, tous ceux qui ont connu Papa Charles Edouard, le Goumi, de bien vouloir avancer, amis et connaissances, les amis du quartier et d'autres collègues de service qui ne se sont pas enregistrés sur la liste et qui veulent tout emboîter le pas rapidement. Tout en respectant l'ordre, vous allez vous incliner aussi devant la dépouille de notre très cher Papa. Ne traînez pas le pas, s'il vous plaît, avancez rapidement. Nous vous prions d'atteler les pas, s'il vous plaît. Mingadi, c'est très loin. Nous devrions gérer le temps, s'il vous plaît. Thank you.
Avancez rapidement. Amis et connaissances, vous pouvez passer rapidement, parce que nous tendons déjà vers la fin de ce programme. De jardin de fleurs et même pour le recueillement, nous invitons nos amis du service funéraire de fermer le cercueil. Prière de fermer le cercueil, s'il vous plaît. Seulement pour honorer la mémoire du défunt. Moi, je n'arrête, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bonjour à tous. Vous m'excuserez un peu de partir de l'ordre protocolaire, mais on ne peut pas faire passer cette sous-président comme ça. C'est que quelqu'un qui a connu Charles dans sa jeunesse puisse parler quand même de vous. Charles, c'est un grand frère avec qui on a grandi sur une même rue, le quartier Mokongo. Et pour nous, les maisons là, c'était nos chambres. Et la rue, c'était notre maison. Et les quartiers, c'était notre village. Ils nous ont quittés trop tôt dans les années 60 pour les États-Unis, où papa Armando, comme nous on l'appelait, Boileau, était mité pour les États-Unis au niveau de l'ambassade. Ils sont tous partis. À leur retour, vu que la maison occupait la cinquième position, nous étions de la deuxième, juste à l'entrée du coin. Donc il était très difficile que le véhicule Mercedes qui papa ramenait des États-Unis puisse rentrer dans la parcelle. Et c'est chez nous qui était le parking de ces véhicules. Et c'est chez nous que toi étais dépoté. Et c'était nous qui faisions les transports de marchandises pour la maison. Charles est un exemple. Nous ne sommes pas de sa génération. Nous, nous sommes de la génération d'Arthur, avec le secrétaire général, mon frère de son Dédé, qui est là-bas. Trois quarts de sa génération ne sont pas à Kinshasa. Et moi, j'ai eu ce message par les canaux de Dédé. Il m'a téléphoné. Pour l'habitude, quand on se parle au téléphone, il y a la blague qui en met 80%. Mais Dédé ne blaguait pas. Et du coup, il me balance, il y a une mauvaise nouvelle. Il me dira que Charles n'est plus. Je lui ai répondu, quel Charles? Charles de mon frère, sur mon ami. Et j'ai eu à balancer les messages un peu de partout pour offrir aux frères à l'étranger que Charles vient de nous quitter. Moi, je l'appelais Karl Bronson. Charles fut un grand joueur de football quand on grandissait. Mais ça faisait un bon bouton que j'avais plus de ses nouvelles. Moi, je suis militaire. Je dois répondre au salut du drapeau pour défendre ma nation. On rentre à Kinshasa hospitalisé.
il y avait un groupe de médecins qui faisait le tour des chambres. Alors, sur ma fiche, il y avait mon identité. Parmi les médecins, il y avait une qui faisait son stage en Galima, qui s'est référée à ma fiche. Elle a eu le courage de me demander « Bonjour papa », moi j'ai dit « Bonjour ». Je vis là-bas, l'avenue Bondé. Oui. J'ai dit « Oui, c'est mon avenue. » Mais numéro 5. Moi j'ai dit « Mais ça c'est ma famille. » Malmedy numéro 5. Ah bon? Moi je suis la fille des chiens. Malmedy numéro 5. Je félicite mon frère de son état. Pour avoir eu à mettre au monde et sur la vie à laisser, il y a un médecin et un architecte. Un architecte qui le remplace et le médecin qui remplace son frère est né José. Pour nous, Charles a été une école. Nous avons tous réussi. Parce qu'il nous considérait comme Arthur, comme Pascaline, comme Evelyne qui s'y présente, comme tout le monde qui sont passés par Ondekwini. Charles, vraiment, les enfants, excusez-moi, parce qu'il y a plusieurs de nous qui sont un peu partis à travers le monde. Mais Charles, c'est incarné la Grèce. Et ici, je vous transmets le message de votre grand-père, de votre grand-frère, de votre papa. Papa Kabaïdi Paul, qui fut gouverneur de la ville de Kinshasa, partie de l'Europe, il m'a dit, a dédié aux enfants, c'est comme ça que je l'appelais. Adieu, mon dessinateur. Donc, de le bas âge, Charles était très fort en dessin. Je dis, je vous remercie. Merci beaucoup. Eh bien, c'était là le témoignage du général Adé Bouyongo. Sans plus tarder, très rapidement, nous allons suivre le mot de remerciement. Nous invitons alors Madame Fifi de bien vouloir avancer. Elle va remercier l'assistance. Et nous profitons de ces instants de demander déjà au ministre du Seigneur, le pasteur Kalo, de s'apprêter à sanctionner la fin de ce programme par une courte prière. Sécurité, fermez le cercueil, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je crois que tout a déjà été dit. Et on court après le temps, vu que le ciel se gâte. Et l'enterrement aura lieu un peu en dehors de Kinshasa, donc on doit se presser. Donc c'est juste pour remercier de la part de la famille Kouni, le papa de Charles, la famille Yézé, la maman de Charles et la famille Mbaye, l'épouse de Charles. Donc c'est juste pour vous remercier. Vous avez pris de votre temps depuis la douloureuse nouvelle pour nous assister. Beaucoup nous ont suivis dès le début de la douloureuse. Les autres, sûrement pris par plusieurs occupations, sont arrivés simplement hier. Et ce moment, je veux juste simplement vous dire qu'après l'inhumation, le bain de consolation, la famille va offrir un verre. Et ce endroit, c'est le même qu'hier qu'on a eu pour la veillée mortuaire, pour ceux qui étaient présents avec nous. Et pour ceux qui n'étaient pas là, l'endroit, c'est croisement avenue Prince de Liège et avenue de la Science, référence l'Institut ISIPA. Donc voilà, encore une fois, merci de votre présence. Ça nous a beaucoup touchés, ça nous a beaucoup marché et ça nous a beaucoup réconfortés. Merci à vous tous, merci à toute l'assistance. Merci beaucoup. Acclamons pour l'encourager, s'il vous plaît. Très rapidement, je veux rappeler qu'après ici, nous allons nous diriger directement au cimetière Mingadi. Nouvelle cité, c'est là où sera inhumé la dépouille de papa Charles-Édouard. Et après l'inhumation, nous allons nous retrouver tous à la salle Via Nova
qui se trouve sur l'avenue Prince de Liège, croisement Prince de Liège, avenue de la Science. Référence, c'est l'Institut ZIPA, c'est tout juste en diagonale. C'est là où nous allons nous retrouver pour un petit rafraîchissement que la famille a préparé. Et après ce petit rafraîchissement, chacun va rentrer chez lui. C'était là le petit mot, c'était là le petit communiqué qu'on avait pour communiquer à l'assistance. Sans plus tarder, nous allons laisser la place à l'homme de Dieu. Il va sanctionner la fin de ce programme par une courte prière. Merci. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, nous vous prions tous de vous lever. Prière de vous lever, s'il vous plaît. Et nous laissons la place au ministre du Seigneur pour sanctionner la fin de ce programme par une courte prière. L'homme de Dieu, s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci parce que tu nous as dit en toutes choses, nous devons te rendre grâce. Tu as donné, tu as repris, que ton nom soit béni. Merci pour ce qu'a été ces obsèques, ô Dieu. La parole a été annoncée, Seigneur de gloire au Père. Cette marque, ô Dieu d'affection, Seigneur, qui s'est manifestée, Seigneur, cet avant-midi. Nous voulons que chacun de nous puisse, Seigneur, tirer une leçon. Enseigne-nous à compter nos jours, afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse. Nous voulons te recommander, Seigneur, notre départ au cimetière entre tes mains. Tapisse notre chemin, Seigneur, d'aller par ton sang précieux. Il y a un accident, dans le nom de Jésus. Et nous croyons que tu vas nous ramener, Seigneur, en paix et en sécurité, Seigneur, au lieu où il y aura, Seigneur, Yahweh, c'est par des consolations. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et reçu, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Nous invitons nos amis de sécurité. Prenez les dispositions et levez le corps. La veuve avec tous les enfants, ils vont accompagner la dépouille jusqu'au corbillard. Et suivi des proches amis de Papa Charles, Edouard, donc sa grande famille d'enfance, ils vont aussi accompagner la dépouille avec la veuve et les enfants. Charles-Edouard, Félix, Malina, de bien vouloir avancer aussi, ils vont accompagner la dépouille de notre distingué papa qui nous a ici. Papa Charles, la mort n'efface pas l'amour. Nous allons continuer à t'aimer et à en t'aimer toujours. Va en paix, papa, tes amis, tes enfants, tes collègues de service, sont tous là aujourd'hui, même tes gens qui se sont réunis aujourd'hui avec des larmes aux yeux pour te pleurer. Nous ne pouvons pas te dire adieu en nous disant au revoir, sachant que nous savons tous que nous allons nous devoir plus ce soir d'amour. Au revoir, papa. Au revoir, cher ami. Au revoir, cher collègue. Au revoir, cher frère. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Que le Tout-Puissant t'accueille dans sa félicité. Au revoir, papa Charles-Edouard. Let's go!
pas la chanter. Go. Non, go, t'as la thé. No, 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 no,